Massé tente d'intercepter. Morin vient récupérer. Envoie à Massé. Beau travail là, du premier trio. Massé dans le clan va guetter son tir qui rate, mais Desrosiers va récupérer. Desrosiers a une chance. Envoie au filet, c'est bloqué. Le retour. La rondelle revient guetter à la pointe. Guetter à Massé. Massé, son tir l'arrête. Steinman veut renvoyer devant. C'est l'intercepte qui vient entrer en collision avec son adversaire. Desnoyers. Ça avance. Une feinte aux dépens de Duquette. A été un peu nonchalant là-dessus. Aurait pu perdre le disque. Une passe ensuite à Grenier. Ouh. Bloqué par Duquette. Ça lui a fait très. À part Morin plutôt. Ça lui a. Lendowski, mais Morin intercepte. Il retourne en territoire des Wildcats avec un dégagement. Londelle est en territoire des Sacs. Ensuite, Prudhomme, une longue passe pour Guité qui rentre du côté gauche. Guité, une feinte, envoie devant pour La Fontaine. Son tir bloqué par Steinman qui leur rentre par le centre, freine, attend de l'aide. Une passe devant pour Mercier qui laisse derrière. Il n'y avait personne de son équipe. C'est finalement récupéré par Soumpf. Soumpf laisse à la pointe pour forcer Gendron. Pointe gauche, un tir de Grenier bloqué. Londelle qui laisse le but. Donc, le tir de la pointe de Nathan Grenier qui bat Rémi de La Fontaine. C'est 1-0. Nathan Grenier, un des bons défenseurs, quand même, obtient un premier point dans cette série. Un des bons. Il est dévié, mais la rondelle est bloquée par Steinman et c'est Smith qui va relancer l'attaque. Smith laisse du côté gauche. Trenholm, dans le fond du territoire, garde le disque, veut se donner de l'espace. Une passe dans l'enclave, un tir de Lansbury bloqué alors qu'il y a collision de Smith et de La Fontaine. On va encore laisser jouer avec toi sur cette séquence. Alors qu'on va reprendre, on a repris à la droite de Steinman. Oh! On revient dans l'enclave, quel arrêt au départ de Derwiski. Donc. Les mises au jeu remportées par les Wildcats aujourd'hui, ben, c'est la bataille de la possession. Les Wildcats qui en profitent, un drôle de rebond là, qui revient sur le bâton de Lanching dans l'enclave. Une passe de disque qui est déviée, l'arrêt de Rémi de La Fontaine qui force l'arrêt de jeu. Donc un drôle de rebond de la baie vitrée qui aurait pu faire payer les Sacs. Mise au jeu remportée par les Wildcats. Fortier Gendron récupère, veut envoyer devant. Le disque dévié, le but. Et une autre mise au jeu perdue par les Sacs et c'est. Miles Mueller qui semble avoir fait dévier devant le filet, c'est 2-0. Ouais, exactement. Miles Mueller qui va marquer son deuxième but des séries. C'est lui qui avait réduit. Wang à Desruisseaux. Desruisseaux a guetté au cercle. On protège bien l'enclave. Une passe dans le filet, tir bloqué, le retour, le but! Maxime Marcin, c'est 2-1! Son premier en séries éliminatoires! C'est ce qu'on veut voir. On est de retour! Et voilà, c'est ce qu'on veut voir chez les. Chez les Saguenayens, c'est ce qu'on veut voir chez Maxime Massé qui se cherchait un petit peu depuis... Attends de l'aide. Armstrong veut couper dans l'enclave. Armstrong, quelques feintes, laisse à Wang, il y a de l'espace. Wang, son tir qui rate la cible. Mueller va venir récupérer, mais de la pression de Vermette et de Desruisseaux. Desruisseaux, Armstrong, son tir bloqué par Steinman. La rondelle revient vers Desruisseaux qui... Steinman sort de son filet alors qu'il y a bousculade entre Trenholm et Desrosiers. Ça revient Vermette, il va notir. La rondelle qui glisse, c'est ce qu'il est. Personne du côté des Sacs, malheureusement, alors qu'on jetait, on s'est jeté sur la rondelle. On va s'en tirer avec la bénédiction. Un beau jeu dégagé, mais Dastou intercepte. Dastou frappé solidement. Veut laisser derrière pour le compte. On s'installe. Le compte s'avance. Prendre l'espace. Son tir l'arrête, Steinman. Vermette voulait récupérer le retour. C'était bien tenté par le compte qui est dévié. Mercier tente d'envoyer pour Desnoyers. Les Sags sont embouteillés en désavantage numérique avec plusieurs éléments essoufflés. Passe dans le filet pour Soumpf. Son tir, l'arrêt de La Fontaine. Le disque est libre, on veut récupérer. Alors, ils ont joué remporté par les Wildcats. Desruisseaux veut sauter sur le disque. C'est réussi, ça revient à Guité. Guité à la ligne bleue. Laisse à Desruisseaux. Thomas Desruisseaux. À Alex Wang. Wang, permutation, on voit Desruisseaux. Beaucoup d'espace. Desruisseaux, une passe à Mancin. Son tir! Et le but! Le deuxième de Maxime Mancin, c'est le 1-2! Il est décollé, Maxime Massé, qui crée l'égalité 2-2 à mi-chemin en troisième période. Revient le compte derrière Armstrong. Armstrong envoie au filet, c'est bloqué par Steinman. Le compte. Attends le compte. Laisse derrière Armstrong. Armstrong, son tir devient le but! C'est 3-2! Le défenseur, Jonathan! Craig Armstrong! Le défenseur Craig Armstrong, François, tu l'as bien dit. Wow, trouve le moyen, les Saguenayens, encore une fois. En défense. Ouais. Boutin récupère le 10 derrière son filet, envoie Mueller. Une longue passe qui est déviée. Prudhomme va récupérer. Prudhomme, attention, là, face à Desnoyers. Desnoyers, la fête, la rondelle bloquée par De La Fontaine. Revient Étienne Morin. Tente une passe dans l'enclave. Attention, tir bloqué par Jonathan Prudhomme. La rondelle revient à Lanching, à Étienne Morin. Morin envoie. À Desnoyers, son tir bloqué, la rondelle est libre, La Fontaine veut passer, belle passe pour Craig Armstrong qui veut pousser pour lui-même. Avec Morin Armstrong à La Fontaine et le but! C'est 4-2! Les Sacs envoient de prendre les devants, 3-0! Craig Armstrong, mesdames, messieurs,
Oh, quel jeu de Craig Armstrong qui a décidé de patiner avec sa rondelle. Un vétéran, hein? Un vétéran de 20 ans qui a fait le gros jeu. Il remet à Jacob Lafontaine situé de l'autre côté. Il y avait Alexis Morin aussi. Alors oui, les joueurs, les jeunes joueurs des Saguenayens font le travail. Mais il y avait des vétérans sur la glace au pied carré au cours de cette séquence. En plus, Jonathan Prudhomme, 16 ans, qui bloque un lancer. Ouais. Un peu de tout là, dans cette victoire des Saguenayens ce soir. Reste encore une minute, Jonathan, mais c'est 4-2, il reste une minute. Donc, oui, comme tu dis, voyons voir, mais wow!